Bonjour et bienvenue dans notre série Les énigmes magiques, ou comment amuser nos invités lors des repas ou à l'occasion d'un goûter. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une feuille de papier de forme carrée et d'une paire de ciseaux. Notre énigme est la suivante. Comment plier cette feuille de papier puis lui donner trois coups de ciseaux de manière à obtenir trois croix différentes? Nous allons procéder de la manière suivante. Nous allons commencer par plier notre feuille de papier en quatre. Alors, il ne faut pas perdre de vue que le centre de notre feuille de papier se trouve ici. Nous allons ensuite replier cette feuille au tiers de sa longueur, comme ceci. Nous allons alors donner un coup de ciseau à peu près ici au tiers et un deuxième coup de ciseau qui suit le pli du papier. Nous avons donc deux coups de ciseau. Nous obtenons déjà une première croix qui est en fait la croix des ambulanciers, celle que l'on appelle la croix de Genève. Je place cette croix de côté. Avec les éléments restants, nous allons donner un troisième coup de ciseau en diagonale. Alors le pli, hein, évidemment, a son importance, il se trouve ici à gauche. J'obtiens alors deux séries de bouts de papier, une première série ici, que je peux assembler de la manière suivante pour obtenir ce que l'on appelle la croix de Malte. Enfin, la troisième série est composée de 8 triangles que je peux assembler de la manière suivante. Alors, ce sont des triangles rectangles. Voilà. J'obtiens alors la troisième croix que je cherchais, qui, elle, n'a pas de nom et qui est plus une croix de fantaisie. Tout ceci a bien été obtenu en ne donnant que trois coups de ciseaux rectilignes dans la feuille carrée avec laquelle nous avions commencé notre énigme. Étonnant, non ?